Breslev Boost avec Francky Pérez. Imaginez que vous soyez attablé dans un bon restaurant, l'estomac dans les talons, vous avez faim. Et vous êtes alors tenté de commander plusieurs entrées, plusieurs plats, mais vous avez peur de ne pas avoir assez dans votre portefeuille. Vous faites des calculs afin de vous assurer que vous disposez de la somme nécessaire. Ce que vous ignorez, c'est que le restaurant a prévu de vous offrir le repas. La miséricorde d'Hachem, c'est exactement le même principe. Nous sommes attablés et nous sommes servis à profusion. Nous nous faisons souvent du souci pour notre avenir. De quoi demain sera-t-il fait? Mais notre comportement occulte un paramètre essentiel, celui de la miséricorde d'Hachem. Oui, Hachem veut nous donner, Hachem n'attend que ça de nous donner. Pourquoi m'angoisser alors que le meilleur m'attend? En réalité, cette attitude erronée dont nous faisons tous preuve provient d'un manque de émouna en Hachem. Si nous avions réellement confiance en lui, nous ne ferions pas de calcul impliquant uniquement la matière. Plutôt que de cultiver notre émouna, notre foi, nous entrons en rapport avec la matière. Car en apparence, il s'agit du seul paramètre dont nous avons la maîtrise dans notre existence. Or, la matière est l'œuvre d'Hachem. Pourquoi ne pas aller à la source et demander directement au maître du monde? Un exemple, l'histoire est de ce juif intègre qui priait intensément à cause d'un mal de dents. Il se tenait devant le kotel, il avait la bouche ouverte comme ça, et pointait sa dent à Hachem à l'image d'un patient qui se rendrait chez son dentiste. N'est-ce pas avoir une parfaite conscience de l'évidence de la présence d'Hachem que de lui montrer sa dent devant le kotel? La émouna, la foi, les amis, la foi. Shabbat shalom.